Au niveau du Sénat, du bloc de la majorité, nous croyons que quelque chose ne va pas au niveau de ce gouvernement. Parce qu'en fait, nous-mêmes, nous, le président, à Batcol, il y a une volonté, il se cite, il est sur plusieurs terrains. En fait, mais nous sommes capables de remettre en question les services offerts par certains ministères de services au niveau de ce gouvernement, les autres ministères au niveau santé, au niveau justice, au niveau agriculture, à plusieurs niveaux, au niveau encadrement social également. Donc, nous avons pile réflexion qui fait pour remettre en question, qui fait que nous finissons avec conviction, nous aboutissons avec, nous sommes parvenus avec à la conviction que il y a un changement qui mérite d'être fait. Mais cependant, de manière formelle, en tant que président du bloc de la majorité, et c'est avec regret que m'a dit que jusqu'à présent, pour nous autres, il n'y aura pas de changement, de remaniement, parce que le président Bakon, comme l'idée dit que l'hypothèque fait barrer comme ça l'a fait, mais tout le temps que le pont est capable de chiter avec le bloc majorité, pour nous autres, nous considérons. Parce que si nous sommes un groupe qui supporte l'action gouvernementale, eh bien, il y a de grandes décisions que nous-mêmes nous supposons connaître véritablement. Et l'offre est au sein de nous-mêmes. Moi-même, en tant que légaliste, je ne vais pas dire que le président n'a pas le droit. Le président peut changer, mais nous avons un droit également. Le président a un droit à dire qu'il a fait une réforme minima. Nous-mêmes, nous décidons de nous faire une réforme maxima, parce que nous-mêmes, nous avons un droit à interpeller n'importe ministre que nous parlons pour nous voir l'aller. Et c'est ça qui fait que je pense qu'il est de bon temps que Yoshita avec sénateur pour permettre que, enfin, si nous faisons route ensemble, parce que les sénateurs qui constituent le bloc de la majorité, dans l'ensemble, ils sont de horizons divers, mais tout où est que le président, c'est ça, nous dit, nous avons une bonne volonté, il compte du côté de l'aller, il a une bonne volonté, nous avons décidé de le supporter, mais en même temps, tout, il faut que le président sache qu'il dispose d'une majorité constituée d'hommes compétents, d'honnêtes et de caractère également, qu'il a supporté lorsqu'on prend les grandes décisions qui doivent engager la nation, il faut qu'on elle, parce que certainement, l'opinion n'est pas bon, ou pas qu'à compter sur majorité, ça, en d'un pour le défendre en bas. Ça veut dire, nous, beaucoup, au niveau du Sénat, nous, beaucoup, de manière institutionnelle, nous, beaucoup aborder, nous, beaucoup consulter. Nous, beaucoup aborder, moi, en tant que président, je ne peux donner aucune garantie au président que véritablement cette majorité va suivre, continuer, supporter effectivement Jean Palia. Ou quand on parle de jeune réfraction, on est qui veut, on est qui pas veut, parce que justement, il y a un traitement que eux-mêmes n'ont pas accepté. Et je l'ai dit au président de la République, on le sait. Ce n'est pas que nous disons nous besoin de bataille, nous besoin de décider toute bagaille, mais il y a un, quand même un par rapport à des mondes qui ont fait. Ce n'est pas parce qu'on veut les respecter moralement, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont son pouvoir. Et pouvoir par eux, ou qui doit faire amendement, ou qui doit faire changement pour vous avoir 3-4 ministres, nous disons que nous avons 7 allés. Nous interpellons n'importe que nous parlons, véritablement. Donc, même parce que formellement, ça aurait été une erreur grave de la part du président de ne pas informer les sénateurs qui supportent les actions, son gouvernement de décision ça, parce que du choc des idées peut jaillir la lumière. Donc, nous avons une opinion que nous gagnons, nous pas changer avec le président a une opinion que nous pas changer avec nous tout. Faut que nous parlions. Et pas tirer, président, tirer, je dis, hein, par. Tantôt, il y a un chambre député qui a parlé nous bord, tantôt le Sénat qui a parlé nous bord. Information fait quoi ça qui fait jusqu'à présent? Il vous a dit, l'a décidé, mais qui ça? Parce que l'idée de l'apanage du président de la République, qui compte qu'il est, il doit faire remaniement s'il sentit le besoin sans neuf. Mais qu'on y a gagné de parlementaires qui posaient et même imposer sous telle démarche. Bon, ça, c'est des parlementaires que je parle avec eux déjà, mais nous-mêmes, au niveau du bloc de la majorité, au niveau du Sénat, le président parle avec moi en tant que ami personnel, mais au niveau du bloc de la majorité, pourquoi j'aime rien qui dit pour nous insinuer, nous d'accord ou bien nous pas d'accord. Mais ce que je sais, c'est que pour que nous mettons un gouvernement capable de gérer le pays, il faut ou parler avec les sénateurs, parce que eux-mêmes, ils ont fait route là, ensemble avec vous, je dis, ils ne peuvent pas changer. Et si je déconseille le président, je ne déconseille que le président gagne tout. Je dis, président, on ne peut pas faire ça dans une démocratie. Quand on a une majorité qui supporte tout, ou prend la décision seule, ou pas même aviser. Moi-même, personnellement, en tant que ami président, je ne peux pas faire ça parce qu'après ça, je ne peux pas vivre, je ne peux pas défendre l'action gouvernement. Parce que si je ne connais pas, et ça fait grand pile et qu'on fait tout, il y a des bagages qui arrivent dans le Parlement, le fait qu'on ne peut pas connaître, pas qu'on corrige à l'avance. Par exemple, son anomalie qu'on joue dans le sénateur, qu'on corrige le gouvernement, et puis c'est lui qui pose la question, on loi, on bagage que le gouvernement veut dire non. Nous sommes supposés être en gain déjà. Et pas moi-même qui peux démonter une loi exécutive voter. Mais malheureusement, le sénateur que je suis, Kedler Augustin, depuis qu'il y a une faute, il n'y a pas bon, m'a critiqué ouvertement. Donc pour empêcher ça, c'est collaborer avec nous. Même depuis le pas bon, je ne vais pas quitter le passé. En clair, c'est
qui passe, mais ça, qui a fait deux bagages arriver sur le département là, nord-ouest, avec tout ça, il y a des difficultés. Sans parler de question de Kafou Joffre qui. Non, bah, dit c'est passé, mais en Cap-Fait. Notre département n'est pas dans les mêmes zones, l'autre problème. Son département est oublié. C'est un département comme si tout le monde est d'accord que le département n'a pas mérité de gros bagages. Il n'y a pas besoin de route, il n'y a pas besoin de l'hôpital. Et c'est peut-être ça que l'homme est candidat. Je dis que je la montagne de parler avec eux. Moi, toi, je parle de ces petits bagages, petits bagages. Moi, je suis sénateur, gros bagages. Je dis que je suis ça et je suis ça m'a fait. Pour qui ça route, Kafou Joffre, ça ne pas capable de faire. Ça veut dire que je commence à faire. Moi, après, c'est président. Moi, j'étais très hostile avec lui-même. Le président a en pile volonté. Mais je demande monsieur, puis je mette plus célérité. D'ailleurs, semaine prochaine, je vais faire une visite pour me garder entre les mêmes pour me garder comment dire. Elle vient faire visite là. Depuis moi, je pas marché. Je viens sur la radio, la télé Guinée encore. Je viens critiquer encore. Ça veut dire que je ne pas considérer que je suis sénateur qui a couru le gouvernement et puis je passé 4 ans là et puis je ne l'ai pas fait. Je couru le gouvernement avec tout ça nouveau dans le gouvernement. Je bataille pour me mettre. Ce n'est pas mon besoin personnel. C'était pour là effectivement. Heureusement pour moi-même, je crois que un pile travail a fait, surtout dans la déviation qui commençait très loin. Je me demande depuis que je commençais ton son là, que là pour vivre bassin bleu. Parce que je plein en pile, c'est dans le coup ça qu'a fait là pour concerner aussi celle-là, Tibonite. Moi, je travaille là-dedans. Moi, je avancé très bien. Je parle continuer encore. Président, commandé moteur pour te mettre sous appareil capable pour du asphalte là. Je crois depuis mois passé, je dis, je suis venu. Je dis pourquoi j'en mettais. Donc, je parle chita avec le président encore. Pour que finalement. Donc ça me constate, le président a pile volonté, mais des fois, quand je vois des gens qui manipulent les bagages souterrains, les gens n'ont pas de volonté, ou bien quand même estimé, même ce n'est pas dans le nord-ouest pour la défaite, sont l'autre côté. Ou bien ce n'est pas dans le nord-ouest pour qui fait l'hôpital, sont l'autre côté. C'est une pratique qu'il a depuis longtemps, et qui peut atteindre la dignité PAM et à ça me représenter pour le pays et pour le nord-ouest, et je ne ça coûte. Donc moi-même, je crois que ce n'est pas. Remaniement en Maptan, il y a certains travaux qui sont annoncés. Le président pour mettre 500 km route, en sous-rouge, B2N, Bombard, Mol-Saint-Nicolas, Jean-Abel, Bord de Paix. Le président implique après toute intervention que me fait le président d'accord pour le faire. Et me content que l'idée à chaque instant, moi qui ai le mot. Et dernier cerise sur le gâteau que le débat moi c'est route Catinette pour aller Jean Abel encore et l'autre cerise sur le gâteau il dit me que va faire me saisir parce que me demander pour des fonds route pour te en hommage à voyage que Capra la montée fait pour le pays sa indépendance dans Vertière puis était ouvert route soutien sa folleur pour arriver dans notre au bon il dit me limiter le tout dans 500 km là le fin météo l'a prêté 160 km pour nous faire certaines routes intermédiaires mais du train dont ça va pour date depuis 7 décembre président dit caravane dans lancé rien n'est fait véritablement sinon que Kafou Joffre là qui a commencé véritablement. Donc c'est vrai que pas gain l'argent. Nous moi je voulais dire président que l'homme qui était statut président majorité ça, nous est défenseur nord-ouest avant tout, nous besoin que et moi même quel que soit côté me rester dans gouvernement c'est pour nord-ouest. Depuis moi rien pas fait m'a sorti. M'a n'est capable rester comme si dans majorité dans président majorité m'a sorti, m'a démissionné normalement.